Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Nous sommes dans la playlist de Summer Body et aujourd'hui, on va se faire un entraînement pec, épaule et un petit rappel biceps à la fin. Alors, dans cet entraînement pec, je vais me consacré beaucoup plus sur le bas des pecs. J'ai travaillé beaucoup le haut des pecs, mais j'ai oublié le bas. On va tracer le bas des pecs et essayer de bien le dessiner, d'accord? Histoire d'être bien et de faire les choses bien, c'est important. Après, tu vas me dire, mais pourquoi tu fais un petit rappel biceps à la fin? Tout simplement que quand tu fais un summer body, logiquement, bah, tu fais un petit régime, tu fais une diète, tu fais une sèche, tu fais ce que tu veux, d'accord? Qui dit diète, régime, dit perte de poids. Perte de poids, perte de gras, mais perte aussi de muscle, d'accord? En tant que naturel, faire une sèche et garder sa masse musculaire, c'est très compliqué, voire impossible. Donc, on va conserver ce que l'on veut au maximum. Moi, ce que je veux, c'est mes biceps, c'est mon point fort, c'est ce que j'aime. Donc, petit rappel biceps à la fin, très important. Prends ta petite gourde, prends ta petite feuille où tu notes tes exercices, prépare-toi et on commence. Pour le premier exercice, on va se faire du développé couché banc droit, comme je t'ai dit pour le bas des pecs, en superset avec élévation latérale avec haltère. Ok? On va faire 10 répétitions pour le développé couché et 15 répétitions pour les élévations latérales avec haltère. Hop! Et tout ça 5 fois. Allez, c'est parti, on y va. Hop! Allez. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je vérifie que mon micro il est bien placé quand même. On va pour les 15 élévations latérales. Allez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Je mets un petit trait tranquillement. Et mon temps de repos, 1 minute 30 ou 1 minute, tout dépend. Tant que tu ne dépasses pas la minute 30. On est bon, ok? Là, tu vois, on est dans un entraînement assez intense, d'accord? Un entraînement de summer body, voire mes entraînements parfois que je fais en salle de sport, d'accord? Des gros supersets qui te fatiguent, qui te bousillent bien, mais qui te font progresser. C'est le plus important, ok? Il faut faire des supersets. Il faut faire des supersets. Pec, épaule, pour moi, c'est un des meilleurs supersets. Enfin, développé couché plus élévation latérale, buste légèrement penché vers l'avant, c'est un très bon combo. Ça fait mal et c'est ce qu'on veut, d'accord? C'est ce qu'on veut, c'est important. Si tu es dans une perte de poids, l'entraînement ne change pas, mais je te conseille de stopper, hop, comme je le fais ici, à 1 minute et de repartir, d'accord? Parce que quand tu es en perte de poids, le plus important, c'est pas l'entraînement que tu fais. C'est le nombre de calories que tu vas dépenser. Plus ton temps de repos est court, plus tu vas dépenser des calories. Allez, on y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop. On passe aux élévations latérales. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. 2, on est très très bien pour l'instant. Hop, ma bouteille d'eau, elle est loin évidemment. Faut que tu la prennes. Ok. Oh. Oh. Là, je suis KO. Je suis KO. Mais la science va me réveiller.
si t'as du mal à sentir tes pecs, fais une série de pompes au début, d'accord? Moi, je te conseille de faire un enchaînement pompe écartée, 10 répétitions, pompe normale, 10 répétitions, d'accord? Tu fais ça, 30 secondes de repos, tu fais ce circuit 4 fois et après, tu entames le programme. Donc, non seulement tu auras une bonne pré-fatigue au niveau des pectoraux, mais en plus de ça, tu vas bien ressentir tes pecs dans la séance. Si c'est ce que tu veux ou si tu as du mal à les sentir. Si tu sens que voilà, tu es fatigué et tout, tu es essoufflé, c'est que c'est normal, c'est que tu bosses, d'accord? On arrive à une minute. Pour ceux qui sont en perte de poids, on repart maintenant. Allez, on y va. Hop! Allez. Ouf. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. Et vas-y, latéral, on y va. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Je mets mon temps de repos et mon troisième trait. Il en reste deux. Si tu as du mal à sentir tes pecs aussi dans le développé couché, essaye de bien coller tes omoplates sur le banc. L'arrière du dos, d'accord? Ton dos est bien calé sur le banc. Si tu veux un petit schéma un peu plus simple, tu vois l'arrière de tes épaules, essaye de ne pas bouger du banc. Ça, ça reste sur le banc, tu vois? Et quand tu prends ta barre, tu la serres au maximum, ok? Tu la serres fort. Tu verras, c'est une petite astuce où tu vas bien sentir tes pecs dans les exercices de type développé couché, à la barre, mais aussi aux haltères. Très important. Oh! Là, je suis un peu plus essoufflé parce que faire un superset assez intense, ça fatigue. Et aussi, j'ai dit que c'est pour ceux qui veulent perdre du poids, mais aussi pour ceux qui veulent se tracer, être plus esthétique, d'accord? Suivez-moi aussi sur une minute de repos. Allez, on y va pour la quatrième. Allez, hop. Ouf. Une, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Oh. Nos excuses. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Je mets mon quatrième trait. Hop. Et mon temps de repos. Et on va se faire la dernière tranquillement. Je disais tout à l'heure, si tu veux te tracer, oui, tu peux aussi faire ça. Parce que quand tu te traces, tu dois faire un entraînement assez intense, petite fatigue, tu dois brûler des calories, d'accord? Et quand tu perds du poids, enfin c'est pareil, c'est un peu le même type d'entraînement. Mais sinon, au niveau des charges, au niveau des séries et des répétitions, pour moi, entre la prise de masse et la perte de poids, bah, y a pas trop de changement. C'est plus que dans la perte de poids, tu pourras mettre un peu plus de cardio intensif, tu pourras baisser tes temps de repos, mais il faut conserver tes charges, d'accord? Si tu es en salle, soulève comme tu peux soulever. Tu manges moins, donc il faut que tu soulèves, d'accord? Pour conserver au maximum la masse musculaire que tu as durement gagnée. C'est important. Et si tu veux tracer, pareil. Conserve tes charges. Essaye de conserver au maximum tes charges. C'est important. Et là, on repart. Allez, c'est la dernière. Hop. On y va. Je me place bien. Et on balance. Allez. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Ok, très bien. Hop. L'entraînement n'est pas fini. Balance des élévations latérales. Hop. Allons, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, allez, 12, 13, 14, 15. Ok. Ah, j'ai failli m'arrêter à 10. Hein. Je mets un petit trait tranquillement. Exercice validé. Je mets le temps de repos. Bon, tu prends 2 minutes de repos et on passe à l'exercice numéro 2. Ok, le deuxième exercice, on va se faire de l'écarté couché et ensuite du développé couché en prise serrée, d'accord? On va faire 10 fois les écartés couchés et 15 fois développé couché prise serrée. Je surveille, ouais, c'est bien ça. Prépare-toi à faire ça aux haltères tranquillement et on commence. Petite note à dire, si tu n'as pas de banc, tu peux le faire sur le sol, ok? Tu auras moins d'amplitude pour les écartés couchés, mais tu peux le faire quand même sur le sol. C'est très important, d'accord? Beaucoup de personnes me disent qu'ils n'ont pas de banc et tout, qu'ils ne peuvent pas faire. Si tu peux faire, tu peux faire. Et si tu penses que ce n'est pas possible, regarde dans mes programmes, dans mes premiers programmes PEC, je suis sur le sol, je n'ai pas de banc, d'accord? Donc, c'est accessible à tout le monde. Si tu as un banc, c'est mieux, évidemment. Allez, on y va. Hop! Allez. 1, 2, 3, allez, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on serre les haltères. Hop, et on y va pour 15 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Je mets mon temps de repos et mon petit trait. Hop, voilà. Oh, la lumière elle s'est baissée un peu, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de bien s'entraîner. Ma bouteille d'eau, je l'ai laissée là-bas, mais je la prendrai après parce que j'ai pas soif pour l'instant. Les écartés couchés, comme je dis, c'est très important. Ça t'aide à avoir une bonne posture, tu vois. Et aussi, ça aide à bien dessiner les pecs ici, là, tu vois. Et là, c'est un bon point faible à moi. Et c'est ce que je veux bosser. Donc, on fait des écartés très importants. Développé couché prise serrée, ça va bosser ta ligne, là, tu vois. Le trait, la séparation des pecs. C'est important, d'accord? Parce que si ici c'est vide, on ne sait pas que tu as des pecs, d'accord? Et le but c'est de savoir que tu as des pecs. Donc on travaille le creux, la séparation, tu vois? C'est très important. Il faut travailler cette séparation. Comme je t'ai dit, ceux qui sont en perte de poids, on repart maintenant. Ou ceux qui veulent tracer leurs muscles, on repart maintenant. Pour les autres, attendez une minute, enfin 1 minute 30 de repos. Allez, on y va. 1. 2, 3, allez, 4, allez, 5, allez, 6, allez, 7, allez, 8, 9 et 10, très bien. Oh, serré. Oh, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, allez, 12, 13, 14, 15. Oh. Là, ça commence à être dur. Ça commence à être dur. Hop. Hop, je mets un petit trait. Attends, j'ai bouché la voiture, ça fait un bruit bizarre. Voilà. Je vais prendre ma bouteille d'eau, tranquillement. Une gorgée. Non, là, j'en prends deux. Deux petites gorgées. On est bien, on dépasse pas le quota. Oh. Là, tu vois,
c'est pas comme je te programme. On a enchaîné un superset, on enchaîne un autre, et le dernier exercice sera encore un superset, tu vois. C'est... Ça fait mal, tout simplement, ça fait mal. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut, d'accord. Tu veux progresser, t'as pas le choix, tu dois te faire mal, on doit se faire mal ensemble pour évoluer. Faut savoir une chose, celui qui se fait le plus mal, c'est celui qui va le mieux évoluer, d'accord. Donc, nous, on n'a pas le choix, on doit se faire mal. Et on repart pour ceux qui sont dans la perte de poids ou dans le traçage de muscles extrême. On y va. Oh. Une. Deux. 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, allez, 9 et 10. Plus serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, super. Oh. Je mets mon troisième trait. On est bon. Et on balance la minute de repos tranquillement. C'est ça, hein. Dépenser plus que ce que tu as mangé. D'accord ? Dépenser plus ce que tu as mangé. Très important. Après, si tu es vraiment en perte de poids, si par exemple tu as vraiment du poids en trop, tu veux vraiment faire une transformation, tu te sens pas bien dans ta peau, tout simplement, tu peux rajouter un petit cardio derrière, d'accord. C'est quoi ça? Pourquoi les gens klaxonnent? Si tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tu vois, là, j'habite à côté d'une autoroute où les voitures klaxonnent et ça m'énerve. Bon, je te disais, pour le cardio, il est préférable de le mettre après l'entraînement que avant l'entraînement si tu veux vraiment évoluer, d'accord? Parce que si tu mets le cardio avant l'entraînement, ben, le problème, c'est que tu vas pas progresser, d'accord? Et tu vas plus fatiguer, tu seras déjà fatigué et tu vas faire des charges médiocres et des entraînements médiocres. Alors qu'après l'entraînement, ça va faire une finition et ça, c'est le plus important. On repart. Allez. Hop. Hop. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Dernière. Dix. Ok. Serré. On va chercher les 15 reps. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. Ok. Je mets mon temps de repos. Très bien. Commence à repleuvoir, c'est super. Il nous en reste une dernière, les mecs. Une dernière. Bon, je dis les mecs, mais sur la chaîne YouTube, figurez-vous, on est passé de 0,04% de femmes à 2,4% de femmes. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue à vous, mesdames qui regardez cette chaîne YouTube, qui suivent ou pas les programmes, bienvenue à vous. On va tous évoluer et progresser ensemble. Bien entendu, je vais faire un petit point pec, très important. Les exercices pec, je ne les conseille pas aux femmes. Pourquoi? C'est pas sexiste, c'est pas... non, c'est pour les hommes. C'est juste que les pecs... Attends, j'arrête le temps de repos. Attends. Je vais faire l'exercice et je te dis ça après, c'est mieux parce que là, je vais parler longtemps. Allez, on y va. On va faire les choses bien. C'est important. Oh. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça les altère. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on est bon. Oh. On est bon. On est bon. On est bon. Je mets mon cinquième trait. Hop, c'est validé. Ouh. Je mets mon temps de repos pour l'exercice suivant. 2 minutes de repos. Je te disais, les pecs, c'est pas pareil pour les hommes et les femmes. Les hommes, nous, ça nous les fait grossir parce qu'on n'a rien de base, c'est un muscle. On fait grossir le muscle qui est dedans. Ou si un homme est en surpoids, tu vois, il a des pecs qui ressemblent un peu à des seins, tu vois. Et lui, ce qu'il va faire, c'est brûler la graisse à l'intérieur et développer son muscle, d'accord. Et vous, les femmes, si vous faites les pecs, ça va faire pareil. Donc, ça va diminuer le gras, donc vous allez perdre des seins. Et je pense que pour une femme, perdre de la poitrine, c'est pas avantageux, d'accord. On va pas se mentir, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce qu'on veut nous, c'est pas ce que vous voulez, d'accord. Donc, faites bien attention avec ça. Je vois beaucoup de mecs qui font du sport avec leur femme, c'est très bien, mais qui vont faire du développé couché, des trucs à leur femme. Mais il faut qu'ils soient au courant. J'ai déjà eu ça, un pote à moi qui s'entraînait avec sa meuf, et il savait même pas, tu vois. Lui, il pensait que lui, il fait les pecs, plus de pecs, et sa meuf, elle a plus de seins. Non, non. Et regarde, toutes les figures de compétition, d'autres figures, elles ont toutes les seins refaits. Pourquoi, à ton avis, pourquoi? Parce qu'elles perdent tellement de gras, tellement de poids, que là, elles perdent aussi parce qu'il y a du gras, ok? Et quand on perd du poids dans une zone du corps, on perd partout, d'accord? Donc, faites bien attention à ça, c'est très important. Maintenant, prends 30 secondes de repos et on passe à l'exercice numéro 3. Dernier exercice. Là, on va s'amuser, ok? On va se faire du curl. Biceps avec la barre EZ. Si t'as pas de barre, prends des haltères, d'accord? Et ça fera l'affaire aussi. Si t'as pas une barre EZ, prends une barre droite. Ça fera l'affaire. On va se faire 10 répétitions tranquillement avec la barre EZ. Et juste après, hop, on se met en développé militaire et on envoie 15 répétitions. D'accord? Bon, là, il se peut que tu sois fatigué. Il se peut que tu sois KO. Mais c'est ce qu'on veut. On va évoluer. C'est important. Donc, 5 fois 10 et 15 reps. C'est parti. On y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. On pose la barre par terre. On la reprend en pronation. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Hop, on met le temps de repos et on met le premier trait. Ça, c'est le combo ultime. Le combo qui va te fumer dans la séance. D'accord? Parce que là, techniquement, là, niveau force, tu dois te dire, là, c'est chaud. C'est chaud, je suis KO, j'ai mal. D'accord? Juste après, tu fais ça, ben là, c'est la fin. Là, tu peux m'insulter, tu peux tout faire dans la vidéo, mais on va assumer, on va faire ça ensemble, on va progresser ensemble. Oh, c'est un combo que j'aime bien faire en fin de séance, tu vois. Quand je fais un petit rappel biceps, j'aime bien faire ce rappel-là. Hop, curl avec développé militaire, histoire d'être bien. Notamment quand je suis en débardeur, on voit bien le bras et les épaules bien tracées. Et j'aime bien ça aussi, on va pas se le cacher. On arrive à 1 minute. Comme je t'ai dit, pour ceux qui veulent être plus esthétiques, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Et c'est là qu'il faut commencer l'exercice. On y va. J'arrive même plus à parler, je suis mort. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On pose la barre, on prend en pronation. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Oh. Je mets mon temps de repos et mon deuxième trait. C'est incroyable. Oh. C'est incroyable. Sachant que là, j'ai un steak et du riz dans le ventre. J'ai pas de légumes, j'ai rien. Un steak et du riz blanc, sec, dans le ventre. Je suis KO. Je suis vraiment KO. Là, tu penses à tous les petits yaourts que tu as mangés auparavant. Tu te dis, là, là, si j'avais mangé ça, là, je serais bien. Là, tu me donnes une compote de pommes, là, je repars direct. Je repars, je fais la série, pas de temps de repos, on y va. Mais là, je suis mort, je suis KO. Mais c'est ce qu'il faut pour progresser. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On arrive à 55 secondes. J'arrête le temps de repos. Oh, je me prépare tranquillement. Et on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Je pose la barre, je la prends en pronation et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh. Je sais pas si j'ai fait les 15 reps dans les autres séries, mais si je sais pas fait, je m'en excuse. C'est peut-être que j'étais trop fatigué. D'ailleurs, si tu n'arrives pas à faire 15 reps à la fin, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu te dépasses. D'accord? Parfois, je peux réussir, je peux ne pas réussir. Le plus important, c'est d'aller au bout. D'accord? C'est d'aller au bout et de travailler. C'est pas parce que tu n'as pas fait 15 reps là, c'est pas parce que tu n'es pas allé au bout que ton entraînement sera pas efficace. Le plus important, c'est que tu as fait ta séance. Tu l'as fait. Tu es allé au bout de la séance. D'accord? Tu es allé au bout de tes limites et au bout de tes capacités. C'est ton corps qui a dit stop. C'est pas toi, c'est pas ton esprit, c'est ton corps. C'est le plus important. Écoutez son corps. On a 3. Il en reste 2. Ok? On va faire les choses bien et valider cette séance qui commence à vraiment me faire mal. Oh. Sachant que je vais partir dans une vidéo 10 fois 10 reps au curl biceps, ça va être chaud. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop. Pronation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh. 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 1, 2, 3, 4. Putain. Il en reste une dernière. Oh. Je bois un peu. Il en reste une dernière. Et on est bien. Là, on est dans les seuls programmes où là je m'entraîne typiquement avec les charges que je mets en salle. D'accord? Pour des supersets comme ça, je ne mets pas plus lourd. Ça sert à rien. Et je pourrais pas aller à autant de répétitions. D'accord? Oh, je cache pas, je suis KO. En plus, je vais pas beaucoup à la salle en ce moment. Je t'avais dit que j'allais te faire des vidéos en salle de sport. Mais encore une fois, tu vois, le travail, il m'appelle. Les tournages, les clients. J'ai besoin de me faire des thunes, tu vois. C'est pas le choix. YouTube, ça me paye pas encore assez pour que je puisse me consacrer à 100% à la chaîne et à l'entraide. Je peux quand même le faire, mais pas à 100%. Mais je pense que tu me comprends pour ça. On y va pour la dernière. C'est parti. C'est la dernière. Faire les choses bien. On y va. Allez.
Oh, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. 15. Dernière rep. 15 dernières reps. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Oh. On a fait les choses bien. On a validé notre séance. Tu vois, ce que je viens de faire à la fin, c'est une petite astuce. Quand tu as beaucoup de reps, compte par 5, d'accord? Ça sera mieux dans la tête. Psychologiquement, c'est mieux, c'est plus facile, c'est plus simple, ok? Oh. Bon, j'ai fini cette séance. Je vais te laisser ici. Si t'aimes ce genre de vidéos, mets un j'aime, un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Sinon que YouTube me référence moins maintenant, je sais pas pourquoi. Je balance, je suis régulier, on me référence moins. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer à faire des vidéos, continuer à faire kiffer, c'est le plus important. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait, aussi à mon Instagram. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.